Les abeilles sont des trésors de la nature. Sans abeilles, pas de pollinisation et donc pas de production agricole ou fruitière. À Bruxelles, pas moins de 200 apiculteurs sont actifs. Même si elles ne sont pas toujours visibles, les ruches sont bien présentes sur un toit ou dans un jardin. Une association comme Apis Bruxella, par exemple, a disposé et entretient une trentaine de ruches de-ci, de-là, pour sensibiliser les Bruxellois à l'importance vitale de l'abeille. Chaque ruche produit environ 40 kg de miel, mais la récolte était extrêmement pauvre au printemps. Par contre, le miel d'été est, lui, abondant et de bonne qualité. Traditionnellement, à Bruxelles, on a un miel d'été qui est beaucoup plus fort que le miel de printemps. Pourquoi ? Parce qu'à Bruxelles, à l'été, on a le tilleul qui fleurit, qui est quand même très, très goûtu. Et on a aussi le châtaignier qui donne énormément de goût au miel. Autre signe de l'intérêt croissant pour les abeilles à Bruxelles, un grand centre commercial a conclu un partenariat avec une association liégeoise. Celle-ci a installé aujourd'hui deux ruches sur le toit de la galerie commerçante. Chaque ruche contient environ 30 000 abeilles à cette saison. Les abeilles sont des pollinisateurs extraordinaires. Donc clairement, en termes de biodiversité, il va y avoir un impact pour les alentours. Dans un rayon de 4 km de la ruche, c'est de 10 à 30 000 butineuses qui vont polliniser plusieurs millions de fleurs par jour. Le centre commercial a voulu s'investir dans l'environnement en posant un geste pour la sauvegarde des abeilles. Il organisera dès septembre des visites didactiques des ruches pour les visiteurs de la galerie.